mon Brutus. Je vous donne $20 pour la laisse. Corby, reviens, Corby. Corby. Dites, vous avez perdu votre chien? Oui, j'ai perdu un cocker spaniel blanc et noir qui s'appelle Corby. Tu te poses un peu là, côté romantique. Excuse-moi, je suis le mec le plus romantique que vous connaissez tous les deux. Oh, Corby! Attendez, je vais vous donner mon numéro. Je pourrais sûrement pas fermer l'œil tant que vous l'aurez pas retrouvé. Vous avez un stylo? Un stylo? Moi, des trucs comme ça ne m'arrive jamais. Mais les trucs comme ça, tu sais bien que ça arrive à personne sauf à Marcus. Passe la nuit avec moi. Oh mon Dieu, non, c'est encore trop tôt, il faut attendre. Si des trucs comme ça m'arrivent constamment, c'est parce que moi je fais attention aux femmes. Rincez-vous l'œil. C'est comme ton Plager. Je bosse ici depuis environ 9 jours et je suis arrivé à l'heure presque tout le temps, même quand il pleuvait. Il serait temps d'envisager une petite promotion. On est collègues, on peut dîner en parlant travail. Marcus. Je vous propose simplement un dîner d'affaires. On parle affaires et on dîne, c'est clair, c'est net. C'est... Tu sais, dans la vie, il y a autre chose que le cul. Par exemple, la fidélité, l'amour partagé. Faut explorer les côtés féminins de ton caractère, comme moi. Mais attention, tu commences à avoir le cul assis entre deux chaises, non? J'essaie de t'en mettre plein la vue. Ça, je le sais. Ouais. Mais où est-ce que vous avez trouvé cette chemise champignon? Le secret, c'est que tout soit coordonné. Uh-huh. La plupart des gens ne coordonnent jamais. Il faut coordonner. Regarde-moi un peu ça. Ah! Vous ne vous êtes jamais dit en voyant un type, il est canon ce mec? Les femmes sont toutes comme ça. Vous voyez une autre nana et vous dites, oh, elle est chouette, oh, elle est sympa. Quand je vois un type, je dis pas, oh, regarde cette carrure, c'est pas du tout mon genre. Tu sais ce que c'est ton problème? Tu as besoin d'être plus romantique et un peu moins lapin de garenne. Tu vois ce que je veux dire? Oh mon Dieu! Je suis monsieur romantique. Quand je suis avec une femme, aussitôt que j'ai couché, mon intérêt tombe. Où est-ce que tu vas? Je rentre, faut que je sois en forme pour le conseil d'administration. Mais merci, t'étais super. Je veux pas savoir comme j'étais tendue en descendant de l'avion, mais... grâce à toi, j'ai décompressé. Tu m'appelles? Oh, c'est grave, mec. D'abord, les fat boys se séparent, et maintenant, ça...